C'est safe. Jusque là-haut, et c'est là-haut qu'il faudra faire attention. Ok, donc là tu peux arriver, tu peux t'agripper sur cette, ce garde-corps. Et ici tu as des petites marches en fait sur lesquelles tu peux appuyer tes pieds. Donc là on est sur, sur la couverture du bâtiment rue. Et on étudie la réfection de la couverture aux deux versants, versant cour, versant rue. Versant cour qui est en mauvais état, versant rue qui est en très mauvais état. Et donc on est en présence de l'entreprise MTC avec Monsieur Morel. Bonjour. Bonjour. Monsieur Morel qui fait ses relevés. Quand je vous demandais si vous aviez le vertige, en fait vous c'est même pas que vous n'avez pas le vertige, vous êtes intrépide. Et du coup vous c'est quoi votre métier? Couvreur. Vous avez bien grimpé sur les toits, c'est pour ça que je suis. Et du coup est-ce que vous êtes toujours aussi impressionné par les vues de Paris ou ça y est vous en êtes passé? Oui, non, mais là pour moi c'est bon. Là de toute façon on a tous les éléments. Ben là il faudrait changer ça. Il faut savoir aussi c'est que si on met une isolation. Oui, on surélève. On surélève. Ça oui, mais très bien. Donc. Non, mais on surélève. Voilà. Ça, mais on va surélever de 5 cm. Moi je ne vais pas pouvoir habiter pendant les travaux. Si, si, vous pouvez. Ah, si, si, vous pouvez. Ce sera pas le plus agréable, mais vous pouvez. Non, c'est préférable. Comme ça on a le petit café le matin. Et en ça, plus, c'est... non, mais en plus il y a une fuite, on le sait. Non mais c'est vrai hein, ce que je dis, si ouais, tout d'un coup il y a une bâche qui se soulève, il y a un gros orage, s'il n'y a personne dans l'appartement, on ne s'en rend pas forcément compte que de l'eau s'infiltre. C'est bon le reportage? Ouais, ça se passe bien. Ce métier, c'est... enfin vous êtes parti à 14 ans dedans, mais c'était un choix, c'était une opportunité. C'est une opportunité, j'ai fait tous les métiers. D'accord. J'ai fait tous les métiers qui puissent exister. Ça doit faire beaucoup de métiers? Bah si ça te plaît, bah tu restes, si ça te plaît pas, bah tu changes et puis tu vas à autre chose. Mais c'était l'avantage de faire toute une part de métier pour t'orienter sur un travail qui serait à ta portée. Après, moi, comme je dis, moi, j'ai fait tous les métiers. Forgeron, tout, ébéniste, électricité, plomberie, soudure, à l'arc. Mais comme je disais, il me restait que le côté maçonnerie et couverture. Et du coup, tous les métiers que vous avez faits, ça va vous aider dans votre travail de couvrage. Enfin, ça va être un avantage. Pas mal d'avantages aussi. Bah, c'est chouette, ça. Et après, les couvertures, bah, j'ai kiffé parce qu'on est indépendant, on est seul. Sous le ciel. Exactement.